tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Comme vous le voyez, je ne suis pas à côté d'un véhicule police mais d'un bateau. Donc on va partir à la découverte de la brigade fluviale. Allez! Bienvenue à la Comment ça va? Nickel. Donc on m'a dit que tu passais la journée avec nous? Il paraît. Il paraît. T'as vu le temps aujourd'hui? Un peu mitigé. Équipement? Équipement, allez. Ah, le K-Way. Une collerette, okay. La sécurité, et pour aller jusqu'au bout. Ça tombe bien, le mien est tout nu. Ah, tu vois. Un petit écusson pour la journée. Super. Cadeau. Allez, on y va, suivez-nous. Je t'en prie, vas-y. Les pilotes, Vincent, accompagné de Juliette. Merci. Donc on a la vedette Thor. Le Thor pour le secours. Derrière nous, on a Circé, Hermès, plusieurs bateaux, Alsace, Morvan. Okay. L'île de France qui est là-bas derrière, de vérifier tout le bateau, donc son équipement, s'il tourne bien, s'il fonctionne. Donc en fait, une vraie prise en compte de véhicule comme si on était sur terre. Exactement. Quoi. Sauf que tu es sur l'eau. Voilà. Alors moi, j'ai pas le pied marin, hein. Donc ça va être comique, hein, je pense. Hein. Oula. Voilà. Donc cette checklist sert à faire remonter les informations au mécano et tous les points à vérifier. Ici, l'état général donc de la coque et du bateau. Il sort juste du chantier celui-ci. D'accord. Donc ça peut arriver, hein, il était abîmé à l'avant, donc il est parti au chantier, il a été réparé. Donc on a la gaffe. Est-ce que j'ai le style là, les gars? La vedette Thor, ça nous pour un entraînement nage accompagné de la vedette Circé. Du coup, Vincent, vous avez fait un entraînement assez intense, là, j'ai vu. Est-ce que tous les effectifs doivent s'y tenir? Alors, chez nous, il est essentiel de maintenir ce niveau physique, ne serait-ce que parce qu'on a un métier physique. Ouais. Déjà, comme tu peux le voir, hein, il faut monter sur un bateau, il faut nager, il faut aller secourir quelqu'un s'il le faut. Il faut porter des boots, il faut porter des blocs de plongée qui pèsent une trentaine de kilos chacun. Là maintenant on est passé sur un mode nage, donc les collègues sont en train de nager là-bas. Ouais, on les voit, ils sont juste derrière. Donc là, pour goûter l'eau, là, donc elle a 21 en ce moment, mais l'hiver elle a 3 degrés. Vincent, on a une question un peu insolite qui nous a été posée, c'est apparemment il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un crocodile dans la Seine. Alors il y a eu un crocodile, mais apparemment dans les égouts. Dans les égouts. Ouais, qui a été récupéré. Après dans la Seine, des choses un peu plus improbables, il y a eu un genre de poisson piranha qui a été retrouvé, ou bien un boa aussi. Un boa ouais, un serpent. Un gros serpent qui a été retrouvé. Ça, par contre, c'est ma phobie. Heureusement qu'on n'en a pas aujourd'hui. Mais sinon, après, dans l'eau, on a des silures. Hein, qui peuvent parfois être très gros, hein, jusqu'à 2,50 m. Ah oui, d'accord. Et en termes de choses insolites que vous pouvez voir ou découvrir sous l'eau, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des voitures, des trottinettes? Je sais qu'il y a des trottinettes beaucoup. Trottinettes, ouais. Alors, un petit message à passer à tous vos internautes. Hein. Les trottinettes, ça va pas dans l'eau. Really? Bon, Vincent, dis-moi. Les internautes se posent une question. Est-ce que la fluviale, elle est plus Titanic, hein, en mode Jacques et Rose, ou Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, Johnny Depp? Moi, je suis plus Johnny Depp, personnellement. Hein. Bon, sachant que le Titanic, il a coulé, donc c'est on va éviter. Et puis, ce fameux Jack, il a fini par mourir de froid. Alors nous, on va pas mourir de froid parce qu'on a des combis. Hein. C'est ça. Mais après, on n'est pas forcément non plus des pirates, on reste des policiers. Est-ce que tu te considères comme marin d'eau douce, ou... comme un vrai pilote de bateau? On est des vrais pilotes de bateau, on est qualifiés. Vous passez des permis spécifiques? Oui, on a le permis fluvial. Ouais. Donc après, une fois que les collègues arrivent, ils passent le permis. Nous, après, on les forme au pilotage bateau-police. Ça va certainement très vite. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir piloter en sécurité et d'intervenir aussi, parce qu'une personne à l'eau, c'est pas facile d'aller la chercher, chose qu'on pourra peut-être faire tout à l'heure si ça t'intéresse. Est-ce que Paris intramuros ou vous allez au-delà? Non. Alors nous, on a la spécification d'avoir toute l'île de France en compétence. Ah oui, c'est énorme. Donc on a tout ce qui est plan d'eau, cours d'eau. De toute façon, à partir du moment où on va intervenir en dehors de Paris, on va utiliser essentiellement le camion avec une remorque à l'arrière, avec un bateau à l'arrière, parce qu'on ira plus vite par la voie terrestre. Ouais. Parce que sinon, il faut passer les écluses et la Seine fait beaucoup de méandres et on met beaucoup de temps à y aller. Vous pouvez être amené à intervenir avec la BRI ou les BI ou les unités d'intervention d'élite? Parce qu'en fait, on est le vecteur nautique. Depuis quelques temps, on s'entraîne essentiellement à la conduite de bateaux avec une troupe d'assaut, afin de les amener sur le lieu d'un attentat ou autre, et de les amener très très rapidement et en sécurité.
Moi, je viens de voir passer les pompiers. Du coup, ça vous arrive, vous, de travailler avec eux en collaboration et en assistance? En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le fleuve, sur une personne à l'eau ou sur un problème avec un bateau, on va travailler en commun avec eux. Et après, chacun va jouer son rôle, nous, de policiers et eux, de secours. Donc, du coup, vos missions en tant que police secours sur un bateau, qu'est-ce que c'est? Alors, essentiellement, du secours à victime, ouais. Secours au bateau. Ça peut être des pollutions, des arrêts de navigation aussi. Mmh. Donc à partir du moment où il y a une manifestation sportive ou un événement ou un passage de président, de sécurisation, on peut faire un arrêt de navigation. Mais c'est essentiellement ce genre de mission. Et toi, tu as une intervention marquante? On fait énormément de personnes à l'eau, alors des cadavres malheureusement, ouais. Pendant des suicides ou bien des meurtres ou autre chose. Bon, alors, du coup Vincent, j'ai entendu qu'on était appelé pour aller repêcher un scooter dans la Seine. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt pour vous de faire ça? Bon, a priori, une dame aurait aperçu un scooter dans l'eau. Alors le scooter n'a pas forcément grand intérêt, sauf dans certains cas, s'il est volé par exemple, ouais. Ou s'il est sur une affaire judiciaire. Donc c'est intéressant d'aller voir dessus, d'aller soit repérer une plaque, soit repérer le numéro de série pour le faire passer au fichier que tu connais. Ouais. Et derrière, après ça, on s'organisera. S'il est volé, on appellera l'autorité judiciaire compétente. Alors, donc là, ils vont s'immerger là. Dans le cadre d'intervention, hein, le plongeur, il est toujours accroché à ce qu'on appelle une commande. Une sorte de ligne de vie, quoi. Voilà, c'est le seul moyen pour nous de communiquer avec lui et de pouvoir le sécuriser. Regarde, Jack Sparrow, il est là. Bah du coup, on est Jack de Titanic, alors. Parce que Jack Sparrow, il est là-bas, du coup. Le Black Pearl. Regarde, je te fais même le petit saut. Ça va? Ah, il est là. C'est bon, on s'est retrouvé. Et on a une mission particulière qui nous est assignée là. Tu peux expliquer ce que c'est aux gens? On a beaucoup de bâtiments en logement. Ouais. Des gens qui habitent sur le fleuve. Donc sur les péniches. Et qui ont besoin de nous en fait. On a deux bateaux de l'armée, ouais. Qui sont sur place et qui vont s'entraîner pendant 2 jours. Sur la zone où on est. Sur la zone où on est. Et qui vont faire beaucoup de remous. Et on va aller les voir en leur expliquant gentiment qu'ils risquent d'avoir beaucoup de vagues. Ce sera ta mission à toi? Ah ça va, je suis habituée ça. Pour les papiers, c'est ça? Pas du tout. C'est juste pour vous informer qu'il va y avoir un peu de remous là dans les jours qui suivent parce qu'on a des bateaux qui sont en entraînement pour le défilé. Ah d'accord. Donc soyez pas étonnés. Ok. Voilà. Très bien. C'est gentil de prévenir. Bah c'est normal. Ça va, bonne journée. Bonne journée, au revoir monsieur. Au revoir. Donc j'ai eu droit de te faire piloter le bateau. Allez là. La première chose à faire quand on prend le bateau, on met ce qu'on appelle le coupe-circuit. Et en fait si tu tombes à l'eau, le moteur se coupera. Ok. On prendra la monnaie là-bas. Tu peux juste accélérer un peu si tu veux. On va aller jusqu'à l'entrée du bassin de l'Arsenal. D'accord. Et puis bah, tu vas écluser le bateau. Bon, la journée avec la filiale est finie. On remercie Vincent pour son accueil et tout le monde. On vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une nouvelle notification. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.